Allez, salut tout le monde, c'est NBSAT, bienvenue pour ce 26e épisode, je pense, il me semble. Dans l'épisode précédent, nous avons été dans la nécropole, donc la nécropole qui se trouve... On la voit pas de là. Attendez, la nécropole, elle se trouve... je sais plus, ça fait quelques temps déjà que j'ai joué. Il me semblait qu'elle était par là, il me semblait qu'on la voyait. Ouais, bah je saurais plus redire exactement, ça fait quelques temps quand même que j'ai joué. Donc du coup, retrouver exactement ce que j'ai fait, ça me semble un petit peu trop loin. Donc du coup, ce qu'on va faire dans cette partie, dans cet épisode-ci, nous allons tout simplement nous occuper un petit peu des fleurs de métal, des feux de camp. Qu'est-ce qu'on a d'autre des fleurs de métal, ça on l'a dit. On va aller voir les villages aussi. On va aller voir tout ce qui est ossements blanchis, tout ce qui est un petit peu mission annexe en fait. Même les zones corrompues, si on peut les faire, on va les faire. Par contre, ouais, on va faire aussi les grands coups. On va faire aussi les creusots, les creusets. On va faire tout ce qui est un petit peu mission, quoi, les projecteurs. On va s'occuper un petit peu de toutes ces choses-là aujourd'hui. Bien évidemment, on va pas faire tout. Je me vois pas tout faire, hein, clairement. Mais on va aller faire une bonne partie pendant une petite heure, et puis voilà. Donc, alors déjà pour commencer, on va commencer en faisant un voyage rapide. Histoire juste de commencer assez rapidement en rentrant dans le vif du sujet, plutôt que. Commencer déjà en se déplaçant doucement, ça on va faire ça juste après. Ne vous en faites pas, je change pas mes habitudes. C'est juste que là, pour le premier, j'ai juste envie de rentrer directement dans quelque chose à faire et pas me déplacer pendant 10 minutes pour aller d'un point A à un point B. Mais là, on connaît très bien la zone, c'est notre zone de départ, donc du coup. Ce serait peut-être un petit peu redondant de devoir tout refaire à pied. Même si on le fera certainement à un moment ou à un autre. C'est ça aussi qui est un peu embêtant, c'est que les chargements comme ça, quand on fait un déplacement rapide, sont assez longs, je trouve. Donc voilà, on a enregistré ici et on va se rendre donc au feu qui est à 190 pas de nous. Donc 190 pas, c'est largement jouable, c'est faisable. Alors du coup, vu que ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, je ne sais pas exactement ce que j'ai au niveau... Au niveau de mes... comment dire? Je monte? Non, tu montes là. Tu peux monter là. Voilà. Au niveau de ce que j'ai sur moi. Je suis plus trop au courant, donc il va falloir que je regarde ça assez rapidement. Alors en fait, nous, ce qu'on veut, c'est aller là-haut. Sauf qu'en fait, là, je crois que j'aurais pas dû traverser là. Donc on va retourner juste à cet endroit-là. Et on va le faire à la YOLO. Donc voilà, on n'est plus qu'à 70 pas, on y arrive. Juste là. Parfait. Je pense qu'on doit pouvoir passer par là, sauf que je ne pense... Comment on va faire pour aller chercher cette fleur? On n'a pas l'air de pouvoir monter par là et on n'a pas l'air de pouvoir monter par là. On va bien voir, ça semble intéressant. Donc on a 300 pas pour y arriver et on voit qu'il y a des bestioles quand même entre-temps sur la route. Bon ça va, c'est pas encore trop... Oh, méchant. Ça, c'est pas gentil.
toi t'es un petit peu plus méchant que les autres. Non mais sans doute. Non, tu touches. Quand tu touches, tu touches. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Donc on va ramasser tout de suite ce qu'on a à ramasser. J'espère que... Non, c'est bon, le cadavre du précédent n'est pas tombé plus bas. J'ai pas tout ramassé sur celui-là? Bah alors. Et les autres, normalement, sont restés plus haut. Voilà, comme celui-ci. Et il y en avait un sur la gauche, normalement, qui était... c'est bizarre. Après, c'est pas bien grave, on n'est pas à un corps non plus près. Hein. Donc on va aller dans cette direction-là, pour essayer vraiment de monter le plus haut possible sur cette montagne. Attendez, je vais juste aller enlever dans les quêtes. Alors on va déjà... Hop, le grand coup, c'est bon, on sait, merci. Et on enlève celle-ci juste histoire qu'on n'ait pas un indicateur sur l'écran qui nous pop toutes les deux secondes. Pour dire mais non, faut aller de l'autre côté. Ben non, nous on veut juste un indicateur qui est juste là et qui nous sert à nous dire bah c'est là où j'ai mis mon point et que je veux aller. Alors je pense qu'on doit avoir la hauteur suffisante pour aller le chercher. Donc alors il doit être normalement dans cette zone là, donc on va utiliser... Où est-ce qu'il est? Attention en bas. Oui. Dites-moi. Parce que là pour remonter c'est un peu plus... Ah, il est juste là. Hop. Et on récupère. Parfait. Donc on va pouvoir, hop, enlever cet indicateur là. Et donc du coup on a éclairci en plus toute cette zone là. Donc c'est vraiment parfait. On va aller voir donc ce feu qui est ici. Ensuite cette fleur là. Et on va peut-être aller un petit peu éclairer tout ça. Je pense que ça peut être une bonne chose d'éclairer un petit peu tout ça, enlever cette brume qui est ici. Donc, pour y aller, on va devoir certainement prendre quelques risques pour descendre. Donc je vous rappelle, si un jour vous prend l'envie de me suivre sur YouTube, enfin sur Twitch, lors de mes lives... vous pouvez très bien, c'est une chose tout à fait possible. Sachant que je lance un petit peu mes lives en live, comment on peut dire ça, en live sauvage on va dire. Puisque je... Ouh, ça va être compliqué ça. Je veux surtout pas rester bloqué. Voilà, ça va. Puisque je n'avertis pas et ce n'est pas des rendez-vous fixes. Donc du coup, pour être sûr d'avoir des rendez-vous pour me suivre, il vous faut un compte Twitch. Et il faut également... Et c'est quoi ça ? C'est rien. Et il faut également me suivre sur Twitch. Je vous y oblige pas. Vous pouvez également voir mes vidéos avant qu'elles soient en rediffusion sur YouTube. Vous pouvez les voir assez simplement dans mes vidéos Twitch. Alors généralement, j'ai quand même pas mal de d'avance sur Twitch comparé à YouTube. Même si là, ces derniers temps, c'est vrai, je n'ai pas tant d'avance que ça. Là, par exemple, je dois, au jour d'aujourd'hui, donc on est le 21 à l'heure où j'enregistre,
Et j'ai des vidéos sur YouTube en avance pour aller jusqu'au 30. Donc j'ai une semaine et demie de d'avance. C'est pas encore exceptionnel, mais on va dire que c'est suffisant. Alors, petite fleur, où est-ce que tu te caches? Ah, j'aime pas eux. Je les aime vraiment pas. Ah bah, il est juste là. Elle est juste là. Voilà. Donc, on va ensuite aller vers celle-ci. Donc, on va traverser là où il y a pas les carapateurs, les crocodiles, là. Parce que je les aime... J'aime vraiment pas les... me battre contre eux. Et salut le Dante. Il devrait pas trop forcément me poser problème. Je pense pas qu'il me pose réellement problème. Voilà. On l'esquive un petit peu et normalement là il m'a perdu. Alors, il est vraiment de l'autre côté de cette montagne, j'ai l'impression. Est-ce qu'on est sûr qu'il est de l'autre côté? Ouais, il est vraiment de l'autre côté de cette montagne. Donc on va faire le tour. On va pas tenter d'escalader non plus. Donc, est-ce que je peux sauter sans me mouiller les pieds? Oh non, c'est dommage. Donc bien évidemment, on enregistre très rapidement. Pourquoi j'enregistre à chaque fois? Tout simplement parce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais savoir ce que c'est que cet animal-là. Je crois pas l'avoir vu encore. Et il n'a pas l'air d'être méchant. Ah, quoique, si, en fait, peut-être. Mal en tout cas. Ah, attendez. Bah, j'ai pas eu le temps de dire ouf, hein. Heureusement que j'enregistrais juste avant du coup. C'est pour ça que j'enregistre assez rapidement. Parce que certaines fois, les mobs sont complètement un peu cheatés. Et pourtant, je suis pas en difficulté très avancée. Mais ouais, ça fait mal parfois. Hein. Donc du coup, mon repère, il est ici. Donc, cette fois-ci, par contre, on va pas se laisser détourner. On va aller directement voir... on sait que cette chose là-bas... C'est danger. Maintenant, on le sait. Donc, on va essayer de les esquiver. Ah, et tu déconnes, il y a tout ça, là? Eh ben, dis donc. C'est leur coin, ici, ils aiment bien. Salut! M'oblige pas à être méchant, hein. Moi, je veux rien faire. Ah, ok. Alors j'accepte de dire que c'est pas grave
C'est parce que tu t'es senti agressé par ma présence. Mais la prochaine fois, je serai peut-être pas aussi gentil. Hein. Je préfère le dire. Ouais. Et donc, ce que je veux, moi, c'est là. Et bah, ça m'a l'air d'être le moment idéal. Hop! C'est la merde, c'est la merde, c'est la maxi merde. Je m'en vais le plus rapidement possible. Là normalement ils peuvent pas me suivre dans ces fissures là. Voilà. Allez, tu peux. Bon d'accord, ok, j'ai compris. T'attends que ça se calme un petit peu là. Nous pendant ce temps, est-ce qu'on va là ou est-ce qu'on va plutôt... J'aimerais bien aller dans cette direction-là. Ça a dissipé un peu ce brouillard-là. Et je pense qu'on va aller se faire le projecteur qui est juste ici. Je croyais qu'il continuerait. Comment vous faites pas le poids pour essayer de me rattraper, quoi? Mais alors vraiment pas. Ah, j'ai un petit peu trop d'ennemis qui me cherchent, je trouve. Un peu trop à mon goût. Voilà, donc on a réussi. Doucement quand même. Hein. On va pas... Est-ce que je peux monter? Non, je peux pas. Hein. Donc on va essayer de suivre... les formes. Ok, donc là il y a un village. On le connaissait pas. C'est quoi ces trucs là d'ailleurs? Je sais pas ce que c'est. Mais je pense qu'on va du coup... Ouais, on va... Parce que je pense pas... Ah si, je peux peut-être passer là. Ouais, donc on va éviter pour le moment et on y reviendra un petit peu plus tard. Vous en faites pas, hein. De toute façon, à partir du moment où il y a un feu dedans, je sais qu'il va falloir que j'y passe. C'est gentil ou c'est méchant, ça? Ah, c'est méchant, d'accord. Vous voyez quelque chose là-haut? Bon, toi, tu vois rien, toi. Ah, mais il y a la dose quand même de... Il y a pas mal de monde quand même. Et bisous. Et... bisous. Voilà. Ça, c'est fait. C'était gratuit. Tu te fous de moi? Tu te fous de moi? Et tu peux pas les fouiller, eux? Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas gentil, c'est pas sérieux, c'est... Ça se fait pas ce que t'as fait là, ça se fait pas. Toutes ces pièces, rassemblées là depuis on ne sait où, on ne sait quand. Quelles pièces? Où est-ce que tu vois des pièces, toi? Oh, il y a pas mal de choses. Je pense que, ouais, clairement, il y aura un truc à faire ici, plus tard. Est-ce que je peux... Non, je peux pas sauter là directement, hein. Je voudrais juste essayer de voir un petit peu plus haut. Voilà. Merci.
Ok, donc c'est juste un feu et énormément de monde. Ok, mais clairement, on va avoir quelque chose à faire ici. On va avoir une mission un jour. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Je pensais que le rebord qui était blanc, c'était pour pouvoir s'attacher. Non, c'était pas prévu, non. Ah ouais, je repop là. Et pourtant j'ai débloqué ce feu là, hein. Normalement j'aurais dû arriver là, hein. Mais bon. Au moins là, on y retourne. Parce que du coup j'ai encore perdu mon avancement au niveau de la brume également, quoi. Ça c'est pas cool. Salut! Comment ça va? Oui, je sais. Non, c'était juste pour faire un bisou. En vrai... Non, mais... En vrai, ça va, hein. Je vous veux pas de mal, hein. Enfin, pas plus que ça, quoi. Oh, oh, oh. En vrai, j'aimerais bien monter, là. Voilà, voilà. C'est bien. Je me demande si je pourrais pas sauter là directement. Voilà, voilà. Je me demande vraiment ce qu'ils font là. Mais après, c'est pas vraiment non plus le but du jour de cette vidéo. Donc, pour le moment, on va seulement essayer de se rendre à notre point d'exploration qui se trouve encore à 700 pas quand même. J'étais à la tête du clan. J'aurais commencé par prendre la ville. Ça fait plus d'esclaves pour déterrer des boîtes à éclairs. Alors propose-toi comme chef quand les autres arriveront. Ils devraient plus tarder. Toutes ces pièces, rassemblées-là depuis on ne sait où, on ne sait quand. Je pense que je peux atterrir là et je peux atterrir là. Voilà, parfait. Bonjour. Bonjour. Hop là. Bonjour. Ah et là je peux plus là. D'accord, je peux plus là. C'est... Ok. Hop là, merci. Salut. Là, je dois pouvoir. Vous vous foutez de moi? Il y a un mur là? Il y a un mur transparent? Vous avez foutu un mur transparent là? Vous vous foutez de moi? Ouais, vous avez foutu un mur transparent là. Ok.
C'est sympa. Bon, on va sortir par là du coup. Voilà. Je vais les éviter pour l'instant. Oui, oui, on va bien les éviter pour l'instant. On va même complètement contourner à fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un machin. Ah, je peux même pas récupérer quelque chose dessus. Bon, bah d'accord, tant pis. Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien? D'accord. Il y a des gros trucs là-bas, hein. On va éviter de s'en approcher pour le moment. Je pense pas avoir le niveau pour me battre contre. Ça se gardera. J'aimerais... Ah, quoique j'aime... Non, si on les connaît ces trucs-là. C'est habituel maintenant. Ouais, on se calme, hein. Quoi? C'est pas visé ce truc là? Donc on continue d'avancer, il nous reste 300 pas à peu près à faire pour pouvoir arriver à notre lieu. Hop. D'exploration. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Y'a un feu de camp. Où ça? Ok, juste après, sur notre droite. Parfait. Ah, j'aime bien ce petit coin de feu de camp, là. Un petit peu reculé, pas mal. Je me demande si on n'aurait pas dû... Parce que lorsqu'on a passé le pont... On vient juste de passer. Qui est ici, j'ai l'impression qu'on peut continuer un petit peu encore sur... Vous voyez, comme ça. En fait, non, parce que... Ou alors, sauf si je fais un glitch. Non, ça passe pas. Ok. Non, je vais pas réussir à... Donc on va redescendre. Ce serait dommage de rester bloqué. Voilà, donc on va vraiment passer par la route normale. Parce que là sinon c'est un petit peu trop dangereux, j'ai l'impression. Ok, donc il y a bien un chemin là qu'on va emprunter. Si, tu peux y aller, voilà. J'aime bien le petit home qui est dans la musique derrière. Les veilleurs. Comment ça se fait qu'il y en a jusqu'ici?
donc il y a un feu de camp juste ici, donc on va essayer de l'atteindre. Ok. Tant pis pour la discrétion. Salut! Mais j'ai appuyé! Ah non! Ah non, ça va me remettre encore beaucoup plus en bas. Ah, s'il me remet au feu de tout à l'heure, je déprime. Non, c'est bon, il m'a remis juste au coffre là. C'est bien. Ok, donc. On reprend. Des veilleurs. Comment ça se fait qu'il y en ait jusqu'ici? Parce qu'ils sont méchants. Donc on va faire comme d'habitude, on va passer complètement à travers. Salut! Salut! Comment on fait pour monter? Certainement par là. Il doit y avoir une route, non? Un moment? Ouais. Non, c'est pas gentil ça. On laisse la dame partir. Voilà. Les machines défendent quelque chose. Non. J'aimerais bien savoir quoi. Bah, tu le sauras peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Oh, il y a encore des choses. Ok. Voilà, donc on a un nouveau coffre. Enfin, un nouveau coffre, surtout un nouveau feu. Donc on prend tout ça. Et... on va aller voir un petit peu le projecteur. Même si j'ai l'impression que ça va donc nous débloquer quelque chose qui est dans cette zone là et que clairement on va pas voir le niveau. Mais tout en haut là-haut. Non, c'est pas aussi haut, c'est pas possible. Des étincelles, oh là là. Et des ravageurs. Je suis pas sûr. Je vais devoir chercher dans les bouts.
Merci. Ah, moi, clairement, là, ce qui m'embête, c'est ces trucs-là, là, les oiseaux, là. Je maîtrise pas du tout, encore. Cours! Cours! T'as foutu la merde maintenant, t'assumes! Voilà! Elle est où la route pour monter là-haut? Je suis pas sûr qu'elle va continuer comme ça pendant très longtemps. Allez. Ok, faudrait que j'arrive juste à continuer là. Alors, quand les textures de la roche vous paraît un petit peu trop mal faite, c'est que clairement vous avez pas le droit d'être là à la base. Ok. Vous avez des trous comme ça. Essayez de pas tomber dedans non plus, ce serait problématique je pense pour en sortir. Je pense que je dois pouvoir passer là. Oh, doucement. Non 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 non. Bien. Ah, c'est vrai, on recommence là. Donc on va encore réessayer. Attendez. Ah non, c'est bon, je suis juste là déjà. Je pensais que j'étais un petit peu plus bas encore. Donc là, clairement, on va y aller direct, hein. Passe directement par l'extérieur. Je pense pas qu'ils me suivent sur le mur comme ça. Ok, donc clairement j'ai pas le droit d'être là. Parce que ça peut... Ouais, ça peut commencer à faire mal, là. Ça y est, je vais pouvoir filer. Doucement, 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 doucement. Alors, saleté. Mais... Oh! Quand tu veux, merci.
Oh non. Alors ça c'est pas sympa, t'aurais pu aller plus loin. Sérieux ? Alors, j'ai complètement loupé la route que j'avais même pris tout à l'heure. Là, je suis obligé de repartir un petit peu parce que franchement, là, ça devenait un peu trop compliqué. Comment on fait pour monter là-haut, franchement ? Ouais, t'appelles ça un test, toi. Ouais, je peux pas monter là. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Non, donc on va. Non, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Ah, c'est trop abrupt là, faut que je monte un petit peu plus haut encore. Allez. Donc, je pense que la route de tout à l'heure était pas si mauvaise que ça. Non, 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 non. Tu passes là, allez, allez, allez. Ah non. Zut. Ok, on recommence. Alors je pense que la route doit être là comme ça, puisqu'on J'ai voit qu'il y a des...
Ah, c'est pas gentil. Donc on voit qu'il y a des herbes comme ça, donc jusqu'ici. Ah, elle est là la route. C'est ça la route. Non, c'est pas une route. Écoutez, on va prendre quand même un peu de hauteur histoire d'esquiver un petit peu les bestiaux. Et je quitte la zone de jeu. C'est bien ce que je pensais. Ça me crispe toujours. Ouais, alors toi par contre. Ok, là c'est trop dangereux, donc on va essayer de passer comme tout à l'heure, comme ça, voilà. Me tromper juste de côté. Là. Chaque projecteur a son histoire. Ah, oh, mon dieu. Alors d'abord on prend le cadeau parce que voilà. Pèlerinage apocalymerdique, jour 10. C'est ici que j'ai su comment le monde allait finir. Ma deuxième apocalypse de l'année. On dirait qu'ils sont en train de construire à tout va maintenant. Mais pourquoi donc? C'est tout? Ok. Donc juste en face de nous se trouve encore une zone de brume, donc certainement une zone qu'on doit pouvoir explorer. Par où je descends là? C'est chaud quand même. Je pense par là. Hein. On va faire ça, hop. Progressivement. Et là. Tu déconnes! Tu déconnes! Merci. Pèlerinage apocalymerdique. Bon, on le refait juste histoire que ça le débloque au cas où s'ils n'avaient pas. S'ils avaient perdu la progression en fait. Apocalypse de l'année. On dirait qu'ils sont en train de construire à tout va maintenant. Mais pourquoi donc? Je saurais quoi en faire. Hey, oh, j'ai froid. Moi, oh, j'ai froid. peut-être se mettre un marqueur ou quelque chose comme ça, histoire de dire... on sait à peu près dans quelle direction on va. Qu'est-ce que des plantes, ça vient pousser ici, quoi. Sérieux, normalement, ça pousse pas. Hein. Ok... Alors, qu'est-ce qu'on va trouver au bout?
Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok. C'est quoi ça déjà les ces logos là? Une ruine, ouais. Mais une ruine de quoi? Comment on fait pour descendre? Qu'est-ce que... À quoi ça sert d'être là? Attendez, je suis arrivé comment là? Moi je suis arrivé comme ça là. Ah, c'est possible que je suis arrivé là. Mais alors, comment on fait pour descendre en bas? Est-ce qu'on peut seulement... Il n'y a pas de porte ou quoi que ce soit sur la gauche, hein, on est d'accord. Et là, on peut pas aller plus loin. Ok. Là, c'est pas un passage. Ah, encore un mur invisible là? Sérieux? Non mais je meurs si je descends là comme ça. Vous pensez que c'est un truc qu'on peut aller voir que seulement à la fin du jeu ou un truc comme ça? Pourtant ça... J'aurais cru que ça aurait été un truc où on pouvait descendre en rappel, mais peut-être pas. Bon bah écoutez, on le saura peut-être plus tard dans le jeu. En tout cas, c'est intriguant. Ça m'intrigue beaucoup. Je pense qu'on devra certainement revenir ici plus tard. Je risque de le regretter. Regretter quoi? Qu'est-ce qu'il... Y a rien. On va se calmer, hein. Ok, bah c'était sympa de regarder un petit peu tout ça. Donc du coup... On va quand même se téléporter au feu de camp qui est ici. Ce qui va me donner un petit peu de temps pour boire encore une gorgée de thé. T'es pas obligé de faire ça. Ok, et donc maintenant on va se rendre ici pour le feu de camp. Et on aura bien exploré quand même, hein. Pas forcément là tout de suite. Là tout de suite on a exploré ça là comme ça. Ah tiens, j'ai zappé un feu là, ce qui est pas très grave. On va ensuite donc là se rendre sur ce feu de camp là. Il me semble qu'il fallait remonter pour redescendre. Hein. Ouais, c'est ça.
Coup petit renard. Oh, deux petits renards. Vous faisiez quoi? Non, en vrai, on le sait, hein, ce qu'il fait faire, hein, mais... Bah, y jouer, hein, franchement. Ensuite, on va aller faire cette fleur de métal. Donc, on sait qu'en allant tout droit dessus, on va passer à côté d'un feu. Donc, on va juste, quand on aura à peu près 100 pas encore, on passera près d'un feu, on va l'activer en passant. On n'a pas l'air d'avoir attiré trop l'attention, ça va. Non, c'est bon. Donc on va vite re-sauvegarder juste là où on a enregistré il y a quelques secondes. Voilà. Et ensuite, j'irais bien vite fait à ce village, ce feu qui est juste au village là. Par contre, on a vu que j'étais obligé de faire tout le tour de cette montagne. Donc, le village auquel on va aller, c'est le village qu'on a vu tout à l'heure vers le milieu de l'épisode. Voilà, vous le voyez là. On va essayer de s'y rendre pour sauvegarder et également pour une autre petite chose, puisque c'est là où on va se laisser. Bien raison. Cool, des missions annexes. L'entrée de la ville. Ils ont mis leur marque sur l'endroit. Ici. Bonjour. Le bruit du marteau frappant l'acier. Ok. Voilà, donc il y a une mission qui est là-haut. Il n'y en a qu'une. C'est tout. Il n'y a qu'une mission chez vous. Eh bah c'est... C'est pas super, hein. C'est un peu désolant quand même. Hein. On va récupérer tout de suite ce petit coffre qui ne contient que des éclats.
Hop, on va parler à ce vendeur. Bonjour. On va lui prendre tout de suite la boîte. Voilà. On va vendre tout de suite. Alors, marquer plus. Non. Marquer plusieurs. Donc ça. 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 Et ensuite, j'en ai deux. Donc voilà. Et on va pouvoir vendre les objets. Ce qui fait un tout petit peu quand même de ressources. On va regarder pour les tenues. Celle-ci, je peux toujours pas la voir parce qu'il manque une lentille d'étincelle. Ici, il manque une lentille de ravageur. Ici, il manque un cœur de brouteur. Ici, il me manque un cœur de cracheur. Ici, il me manque une tresse lumineuse. Ici, il me manque un cœur de testudien. Et ici, il me manque une tresse de cristal. Ok, et au niveau armes, qu'est-ce que je peux... il me manque pas mal de choses, effectivement. Je pourrais les acheter, mais... Ouais, j'ai pas suffisamment de ressources. Au niveau des munitions... Alors, au niveau des munitions, je préfère très rapidement voir au niveau de l'artisanat... voilà, alors là on est au max. Là je peux pas refaire parce qu'il me manque de la viande. Ok. Au niveau des sacoches, je peux pas en faire d'autres. Alors faudra regarder, il me faut de la dinde, du poisson et raton laveur. Des choses assez simples à avoir, hein, tout de même. Donc je pense que c'est jouable qu'on arrive à se faire tout ça dans les prochains épisodes. Donc on fait ça, là on est à fond, là on est à fond, ok, 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 donc on est à fond sur toutes ces choses là. Tu calmes toi. Donc on est à fond, donc tout va bien, on va juste réenregistrer très rapidement, voilà. Et voilà, on va pouvoir se quitter ici. Donc dans le prochain épisode, on va aller voir ce qu'est la mission qu'on veut nous donner ici là-bas. Voilà. Et on continuera peut-être d'explorer un petit peu, tout dépend combien de temps va nous durer cette mission. Donc on se dit à très vite. Salut tout le monde.